Alors moi, je voudrais rappeler, surtout pour ceux qui ne sont pas initiés, qu'est-ce que le premier pilier, qu'est-ce que le deuxième pilier ? Parce qu'il y a beaucoup de gens là qui ne sont pas agriculteurs et qui ne savent pas ce qu'est le premier pilier, ce qu'est le deuxième pilier. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle donc les DPB. C'est toute la polémique qu'il y a eu sur ces fameux contrôles de terres qui étaient déclarés avec des agriculteurs, des faux agriculteurs. C'est une déclaration qui est surfacique. C'est-à-dire, à un moment donné, n'importe quel agriculteur peut déclarer des surfaces sans l'autorisation du propriétaire, si demain il occupe ses surfaces avec ses animaux et si c'est prouvé. Mais par contre, l'État a un devoir, c'est ce qu'on appelle le contrôle des structures. Et ce travail, malheureusement, il n'est pas fait par l'État. Et ce n'est pas la collectivité de Corse à le faire. C'est-à-dire, l'État doit contrôler si ces terres sont bien utilisées, s'il y a des animaux sur ces terres, à quelle destination elles sont. Donc ça, c'est le premier problème qu'on peut avoir sur le premier pilier. Et nous, pourquoi on demande le premier pilier ? Pour deux raisons. C'est qu'actuellement, le premier pilier, on n'a pas besoin... C'est une aide qui n'est pas couplée. C'est-à-dire demain, que vous ayez 300, 1000 hectares, que vous mettiez 7 porcs, que vous en mettiez 1000, vous aurez exactement la même prime sur les surfaces déclarées. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est revenir à ce que disait Paul Félix, c'est au couplage des aides. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a à mettre un taux de chargement sur les surfaces. Et à un moment donné, si vous avez une surface qui est déclarée, vous devez avoir tant d'animaux hectares qui correspond à votre exploitation. C'est-à-dire pour un cheptel de tant de bêtes, vous pouvez avoir utilisé tant d'hectares. Or, actuellement, ce n'est pas fait. Donc le but de reprendre le premier pilier, c'est de mettre bien sûr ce couplage. Couplage en trois parties, production, à un moment donné il faut produire aussi, donc ça on peut le faire puisqu'on a tous les états des bêtes qui sont abattues dans les abattoirs. Et ensuite c'est le taux de chargement, c'est-à-dire aller contrôler sur l'exploitation les gens qui produisent, qui ont des animaux et ceux qui n'en ont pas. Ça c'est le premier point. Nous qu'est-ce qu'on a en charge aujourd'hui ? C'est le deuxième pilier. Le deuxième pilier il sert à la structuration, à l'amélioration des exploitations agricoles. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est investissement. Demain, vous faites une fromagerie, vous avez des clôtures à faire, vous avez du matériel à acheter. Là, on est sur le deuxième pilier. Et c'est l'aide à l'installation des jeunes aussi. Donc, nous, on a fait des efforts considérables. On est, je pense, la seule région sur le territoire français qui a fait autant d'efforts sur l'installation des jeunes. Et on a un résultat. On est la seule région actuellement avoir plus de jeunes qui s'installent que de gens qui partent à la retraite. Donc là, c'est pareil. Ce que disait Paul Fay, c'est qu'il faut qu'il y ait un contrôle sur l'installation de ces jeunes aussi. Donc là, on a mis un dispositif en place qui est récent, avec les chambres d'agriculture, avec l'ODARC, pour qu'aujourd'hui, quand on installe un jeune, on ait toutes les garanties pour qu'il fasse de l'agriculture avec un cheptel conséquent. Donc il y a un parcours d'installation qui est sur 5 ans. Donc sur ces 5 années, il y a des contrôles successifs qui se font et voir à la fin si la personne est apte à faire de l'agriculture ou si elle doit rembourser ce qu'on appelle la DGA. C'est une aide complémentaire aux jeunes qui s'installent. Donc on leur donne une somme, on leur alloue une somme parce qu'on sait que quand on s'installe en agriculture, il y a un délai minimum de 3 ou 4 ans. Et donc les gens ont besoin d'une certaine trésorerie pour vivre, non pas pour investir sur l'installation, mais pour vivre. Voilà, donc ça c'est juste pour poser un petit peu, pour expliquer premier pilier, deuxième pilier. Donc nous aujourd'hui on a en charge le deuxième pilier. Je ne dis pas que tout est parfait, mais on essaye de s'adapter aux problèmes qu'on subit, hein, que ce soit, on a parlé du réchauffement climatique, c'est un vrai problème, de la sécheresse, c'est un vrai problème aussi. Donc là, je vais revenir là aussi parce que bon, il faut quand même en parler, puisqu'on ne parle pas souvent d'agriculture, mais actuellement, il y a beaucoup d'éleveurs, de vrais éleveurs qui produisent, qui ont des très gros problèmes. On a augmenté l'alimentation du bétail, a été multipliée par 2. Et aujourd'hui, si vous allez sur Facebook et sur Internet, vous avez des porcs et des bovins à vendre de partout. Les gens, ils n'arrivent plus à alimenter les cheptels. On se retrouve avec un problème d'abattage. C'est une période où normalement on n'a pas de bovins à abattre et on se retrouve avec des bovins qui arrivent dans les abattoirs parce que les gens veulent s'en débarrasser. Donc il y a de multiples problèmes, mais tout est lié, que ce soit le premier pilier, deuxième pilier. Et nous, ce qu'on voudrait aussi,
c'est favoriser les éleveurs qui sont à titre principal. Aujourd'hui, on se retrouve avec des éleveurs à titre secondaire et ça pose un vrai problème. Parce que moi, je ne vois pas demain quelqu'un qui est fonctionnaire, qui doit travailler 35 heures par semaine et qui se retrouve avec un cheptel d'animaux, à moins de travailler la nuit avec une lampe frontale, je veux dire, ça devient compliqué, quoi. Et là aussi, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir pour aider ceux qui vraiment font leur métier, ont la passion de ce métier et veulent développer ce métier aussi. Voilà, donc c'était juste pour faire un petit peu le point entre premier pilier et deuxième pilier, et pourquoi aussi on avait besoin demain, si on veut développer la production, favoriser les gens qui produisent et qui travaillent, il faut qu'on ait accès à ce premier pilier.